Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vengeance contre certains John. Donc j'ai trouvé deux bases sur internet, deux bases différentes, enfin deux vidéos avec deux bases différentes, c'est assez bizarre quand même. Donc il y en a une qui est très sympa, l'autre qui est vraiment pourrie. Donc on va voir sur laquelle qu'on va tomber. J'espère avoir un peu de chance. Si c'est la bonne, il y a énormément de salles à ouvrir, donc je vais ouvrir que celle que j'ai vue sur la vidéo. Parce que sinon, faudrait, tu pourrais pas tout ouvrir, parce qu'il faut 1, 2, 3, 4 C4 pratiquement, voire 5 C4. Donc c'est très compliqué. Ouais, donc c'est la bonne base. Donc là, il faut déjà 1 pour ouvrir ici, 2... 3, 4, 5, 5 voire 6 et 4, ouais, c'est juste un truc impossible à faire. Donc le mec il est rentré par là, il y avait deux circuits ici déjà. Allez, on va faire lui tout seul, hop, encore un coup. Voilà, on économise les armes. Hein. Merde, encore un coup. Voilà. Nickel. Ah mais je tape à 33, comment ça se fait? Ah mais oui, je suis con, j'avais fait une amélioration sur la machette. J'avais oublié ça. Du coup, je tape à 33 maintenant avec la machette, ça c'est cool. Alors, donc... Tous les coffres qui sont au bord, c'est que de la merde. Hein. C'est des... Enfin, que de la merde. Oui, non, c'est des lampes, des piles, des téléphones, du cuir, tout ce qui est bourlouse, mais sans plus, quoi. Donc là, on fait le tour, on passe par là. Donc vous voyez, il y aurait une salle ici à ouvrir, une salle ici à ouvrir. Il y aurait la salle en bas à ouvrir. Et ça fait vraiment trop de salles à ouvrir. Donc le mec, il est venu, il a ouvert. Le meilleur loot, il est dans cette salle-là. Une disquette, des coupons. Du kit de soins. Et tac tac tac, ici il y avait du SWAT il me semble. Ah non, un VSS. Donc le SWAT est ici alors. Voilà, c'est ça. Et le dernier coffre intéressant, c'est celui-là. Il y a du continu pour faire une disquette encore. Voilà. Alors, on va aller se faire les deux vagues normalement. Et on va les poser tout ça. On va y tomber par là, c'est l'autre côté qui avait les fenêtres. Ah putain. Arrête de tirer sur le cerf, le pauvre. T'as rien fait quand même. Hop.
Hop, il en restait encore deux. Ouais, mon arme, ça va le faire. Termine à la machette, encore un coup, et voilà. Bon, on va aller au chopper vite fait, on va poser tout ce qu'il y a posé. Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait vendanges. Je vais les prendre aussi, les vendanges. Pour les chiens, c'est super. Après, le mec, il n'est pas tout ouvert, tous les coffres. Hein. Ça se trouve, il y a des coffres avec full. Merde, par contre. Ah, je suis arrivé par l'autre côté, moi, je suis con. Il y aurait des coffres avec peut-être full bouffe pour les chiens, des trucs comme ça, mais bon. Le plus intéressant, c'est la disquette. De quoi faire deux disquettes largement, enfin une déjà prête et la deuxième elle est presque terminée. Donc quand même très intéressant, deux circuits. Il me reste encore, je vais reprendre du SWAT, l'équipe de soins. Il y a une SCAR à prendre dans le râtelier et un Magnum il me semble aussi à prendre. Donc c'est plutôt cool comme raid. Deux disquettes, bon j'aurais pas eu beaucoup d'armes à feu mais bon. Deux disquettes, ça fait déjà au moins 5-6 armes faciles. Donc c'est plutôt cool. Oh oh, qu'est-ce qui se passe avec le wifi? Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est bon, la connexion est revenue. Alors. On va d'abord utiliser celle-là. Voilà, une petite SCAR. Voilà, un petit Magnum. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai tout ouvert. J'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait ici, mais putain, ça c'est sûr qu'on ne peut pas. Donc là, on ne va pas prendre ici. Là, j'ai rien besoin. Là. Et attends, il est où le troisième coffre là? Ah, c'est là. Hop. Ça, on va la virer. Voilà. Ça, on va les virer aussi. Et on va se prendre une tenue SWAT en plus. Ça, ça, ça et ça. Bah voilà. Plutôt un raid réussi. Donc ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, normalement, demain, je pourrais faire un raid normalement. Surtout que demain, je travaille pas comme c'est la rentrée des enfants. Donc du coup j'aurai le temps un petit peu de farmer, j'ai les 15 abominations encore à faire. J'avais le SS2 donc c'est bon, je l'ai fait. J'avais les 20 plaques de fer à faire donc ça c'est bon. Les 15 plis donc ça va être vite fait. Les 15 abominations et puis voilà. Donc c'est nickel. Ah, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao.